Bienvenue à cette activité préparatoire numéro 5 qui porte sur la réplication de l'ADN. Capsule 2. Notez que les événements reliés au phénomène se déroulent simultanément et que c'est pour des raisons d'ordre pédagogique et pour simplifier que nous les présentons de façon séquentielle. Cette deuxième capsule porte sur la fabrication des nouveaux brins d'ADN. On appelle cette étape la polymérisation. Au cours de la capsule précédente, nous avons vu que l'hélicase a séparé les deux brins d'ADN dans une région nommée origine de réplication. Des protéines fixatrices ont alors stabilisé les brins d'ADN séparés et la primase a construit des amorces qui serviront d'ancrage. Dans notre exemple, le brin d'ADN qui se présente dans le sens 5' vers 3' est associé à une amorce. Le brin d'ADN qui se présente dans le sens 3' vers 5' est associé à 4 amorces. L'étape de polymérisation consiste à ajouter des nucléotides d'ADN qui sont complémentaires au brin d'ADN qui sert de matrice. C'est l'enzyme ADN polymérase 3 qui tient ce rôle. Cette enzyme est représentée ici en bleu. L'ADN polymérase 3 s'accroche d'abord à une amorce. L'amorce constitue le point de départ de cette enzyme. L'ADN polymérase 3 glisse ensuite sur l'amorce dans le sens 5', 3' de cette amorce. L'ADN polymérase 3 ajoute ensuite des nucléotides en 3' de l'amorce qui lui a servi d'ancrage. Cette suite de nucléotides est représentée ici par un rectangle jaune pâle qui s'allonge. On appelle ce premier brin d'ADN synthétisé brin fils continu. On le dit continu parce qu'il est généré d'un seul trait et sans obstacle. Notez que ce brin nouvellement synthétisé est complémentaire au brin d'ADN du haut. Si on trouvait ici un A, on trouverait un T vis-à-vis. Si on trouvait un C, on trouverait un G. Le brin fils continu se génère sans trop d'obstacles. Il en est autrement de l'autre brin à synthétiser. En effet, l'ADN polymérase 3 circule toujours à sens unique. Elle se dirige toujours dans le sens 5' vers 3' de l'amorce d'ARN. Elle ne peut faire autrement. L'ADN polymérase 3 se fixe donc sur une première amorce et se met à glisser dans le sens 5' vers 3' de cette amorce. Au bout de l'amorce, l'ADN polymérase 3 ajoute des nucléotides complémentaires au brin d'ADN. L'ADN polymérase 3 se fixe ensuite sur une autre amorce plus récente et ajoute des nucléotides d'ADN en 3' de cette amorce. Lorsque l'ADN polymérase 3 frappe une amorce plus ancienne, elle se détache et revient à une amorce plus récente pour recommencer son travail. Et ainsi de suite. Le brin d'ADN qui est synthétisé de cette manière est nommé brin fils discontinu parce qu'il se fait de façon interrompue. Le brin fils discontinu est donc composé de plusieurs segments d'ADN entrecoupés par des amorces d'ARN. On nomme fragments d'Okazaki les segments d'ADN qui se retrouvent entre deux amorces d'ARN. Jusqu'à maintenant, notre animation n'a illustré que les événements qui se sont déroulés d'un seul côté de l'origine de réplication, la gauche. Souvenez-vous que nous avons suivi l'hélicase qui s'est dirigée vers la gauche de l'écran. La polymérisation s'est déroulée dans le sens des flèches illustrées en bleu pâle. Sachez toutefois que les mêmes événements surviennent de l'autre côté, à la différence près que les brins continus et discontinus sont inversés en raison du fonctionnement à sens unique de l'ADN polymérase 3. Le sens de la polymérisation est illustré par les petites flèches bleu pâle. Les origines de réplication se trouvent au centre de l'œil en formation. L'hélicase, qui poursuit son travail de séparation des brins d'ADN, se retrouve à une jonction qu'on appelle fourche de réplication. L'ensemble de cette structure qui s'agrandit à mesure que les enzymes travaillent prend le nom d'œil de réplication. L'œil de réplication prend de l'expansion dans les deux sens. Ne perdons pas de vue que plusieurs œils de réplication ont été formés en même temps et que chacun de ces œils prend de l'expansion dans les deux sens. Tôt ou tard, les œils finissent par se rejoindre et mènent à la formation d'une molécule d'ADN identique et complète. Mais avant d'y arriver, il faudra remplacer les amorces d'ARN par de l'ADN. C'est ce qui fera l'objet de notre dernière capsule.